super. 30 minutes en semaine pour aller poster un recommandé est pénalisant. Parfois inefficace. Et je n'ai rien à te proposer. En revanche, si d'un point de vue digital, tu as pas mal d'actions redondantes à effectuer, j'ai des solutions pour toi. On va par exemple voir dans cette vidéo comment, de façon 100% automatique, on va préparer un email contenant un devis PDF s'étant généré en toute autonomie dès qu'un prospect passe en deal validé sur Notion. Ce type d'automatisation nous est très précieux depuis que nous avons intégré la démarche Calliope. Ça veut dire que toutes nos formations sont actuellement éligibles au financement OPCO. C'est assez parlé, rentrant dans le vif du sujet. Me voici avec mon application Notion ouverte et vous pouvez le voir que je m'en sers pour tout un tas de sujets. C'est véritablement mon second cerveau. En ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc de créer une table qui devra servir de CRM. Ce que je vous recommande à faire, si vous venez juste d'ouvrir Notion, je vous invite à cliquer ici sur Nouvelle page et autant ne pas réinventer la roue, simplement aller cliquer sur Modèles et dans les modèles, allez vous inspirer du modèle de CRM proposé par défaut qui est CRM commercial et très bien, fera parfaitement l'affaire. Si vous êtes davantage un puriste, ce que vous pouvez faire, c'est de vous amuser vous-même à créer votre propre table et de sélectionner une nouvelle base de données pour commencer à constituer. Le principe, c'est vraiment celui de la base de données, c'est-à-dire que vous allez la composer avec autant de colonnes que de variables nécessaires. Et ce qu'on peut reconnaître à Notion, c'est qu'on a la possibilité d'avoir un peu de granularité dans ces choix de variables, puisqu'on a vraiment plusieurs propriétés qui ont été pensées. On peut stocker si bien un email, un téléphone, faire nos propres formules, et on va y venir, ou indiquer tout simplement qu'on souhaite stocker des nombres. Donc je me fais aucunement du souci pour vous, pour bien retomber sur vos pieds à ce niveau-là, et vous ne devrez pas tarder à arriver sur un modèle qui correspond parfaitement à vos attentes. Je vous ai évoqué il y a quelques secondes le fait de pouvoir construire ses propres formules et c'est par exemple ce que j'ai fait au sein de ce champ, au sein de cette colonne. Pour vous mettre dans le contexte, j'ai ici le souhait d'avoir des ID uniques pour chaque ligne que je vais intégrer, insérer, créer. Pourquoi unique? Parce que ça va me permettre d'attribuer à chaque, dans ce cas de figure, devis, un numéro de devis qui me permettra peut-être dans 3 ans, si j'ai un contrôle, de pouvoir rapidement savoir de quel devis il s'agit. Donc pour moi, important aussi de savoir un peu le hiérarchiser. C'est pour ça que je commence par indiquer des chiffres qui correspondent finalement, vous le voyez, dans cette formule, à la date que j'aurai dans le champ entrée en formation, que je vais mettre au format jour-jour, enfin day-day, month-month et hier. Donc déjà là, avec ces 8 chiffres, je vais pouvoir ordonner et avoir un ordre d'idée de la période dans laquelle cette prestation a commencé. Ensuite, au cas où j'ai plusieurs prestations qui commencent le même jour, je vais adjoindre avec ce petit plus et ce petit tiré du 8, je vais adjoindre des chiffres au hasard. Donc il y a la formule ID qui permet donc de générer des chiffres au hasard, sauf que ça va un peu être étalé et que pour des soucis également esthétiques, j'ai pas envie d'avoir un ID qui fasse 60 caractères puisque j'ai envie, vous allez le voir, de l'insérer moi sur ensuite des documents et donc il faudrait pas que ça incite à sauter la ligne et que ça casse un peu la mise en place que j'aurais préalablement pensé. Donc pour ça, il y a la formule slice qui existe. Donc je mets slice, j'ouvre la parenthèse ID. Et là, je vais choisir dans mes ID de mettre le premier chiffre, donc 0, et d'aller jusqu'au quatrième chiffre. Donc là, ID, ça peut récupérer tant des chiffres, donc de 0 à 9, on a 10 chiffres, que des lettres. Donc l'alphabet latin de A à Z, on a, il me semble, 26 caractères, donc vous voyez rapidement, 26 x 10, 260, puissance, j'en demandais 4 ou 5 même, donc puissance 5, donc on est sur plusieurs milliards de possibilités, je ne sais pas d'ailleurs, il faudrait que je m'enseigne si cette formule ID, et je pense pas, je pense qu'elle est capable de nous sortir 2 fois le même chiffre, mais là vous voyez bien que je suis assez tranquille, puisqu'il faudrait que j'ai une coïncidence de réaliser 2 prestations le même jour, et ensuite j'ai une chance sur plusieurs, certainement dizaines de milliards,
de me voir attribuer la même combinaison de chiffres et caractères. Donc ce n'est pas un sujet qui m'inquiète, et avec ça, ça va très bien. Donc vous imaginez, là il suffit que j'ajoute une date sur le champ entrée en formation, on va dire dans ce cas de figure là, et c'est un exemple, le 20 juin, pour que vous voyez sur cette ligne là, et ben j'ai le 20 juin 2023 et ça m'a attribué donc cette combinaison 4FE2. Ensuite, je vous laisse indiquer ce qu'il faut bien. Donc là, j'ai le nom du client, j'ai l'entreprise du client, j'ai son SIRET. Donc là, hein, c'est assez simple. Donc faites l'exercice vraiment dans votre tête d'essayer d'anticiper toutes les variables qui pourraient vous servir a posteriori afin de bien les stocker ici. Ce que je vous invite également à faire, c'est d'insérer un champ qui a vocation à indiquer où en est le deal. Dans mon cas de figure, il me semble que j'ai imaginé prospect, s'il a été qualifié, si je lui ai envoyé la proposition, si on est en phase de négociation, si il n'y a pas eu de suite, si c'est validé, si c'est livré, et pourquoi pas un restimuleux pour faire une nouvelle livraison quelques temps plus tard. Donc tout ça, vous pouvez le rajouter simplement en fait, hein. Vous voyez, il suffit de mettre exemple et on clique ici pour ajouter cela et ça viendra s'ajouter au menu déroulant. Assez simple, et ça va vous donner également la possibilité de filtrer pourquoi pas vos deals par le statut. Et donc là, vous pourrez pourquoi pas choisir de ne faire afficher que sur ce tableau que ceux qui sont en négociation. Si vous avez par exemple besoin de montrer cette vue à un sales, également avec les dates, on peut imaginer des vues par niveau d'avancement des dossiers et ça pourrait nous donner quelque chose comme ça. Ou ensuite, hein, on pourrait travailler également simplement par glisser-déposer si après avoir qualifié un prospect, eh ben, on lui a envoyé la proposition, eh ben, on a juste à glisser notre prospect de cette case-là à cette case-là. Donc, vous en conviendrez, c'est assez intuitif de ce côté-là. Reste à traduire cette vue très pensée au sein de l'entreprise, à la traduire en document qu'on va communiquer à l'extérieur de l'entreprise à notre prospect avec un document PDF, un document Word. C'est vous qui verrez ça. Bien sûr, je vous recommande le PDF qui est un format universel. Et donc, la seconde étape, ça va être de penser le squelette de votre devis. Et donc, pour ce faire, va se rendre sur Google Doc. Donc là, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour créer ou implémenter un fichier qui puisse ressembler à l'image que vous souhaitez communiquer sur vos présentations. Et donc la seule contrainte que je vais vous demander de bien vouloir effectuer, c'est qu'au sein de toutes les variables qui auront donc tendance à évoluer au fur et à mesure de vos prospects, hein, que ce soit leur nom, leur adresse, leur représentant légal, le prix de la prestation, simplement de les placer dans une variable encadrée avec ces crochets. Une fois que cela est réalisé, c'est maintenant que la magie va s'opérer et on va s'aider pour cela de notre logiciel Make, hein, l'ancien Integromat, qui est un logiciel dans la même veine que pouvait être Zapier, IFTT, donc un logiciel d'automatisation. Et donc, ce qu'on va commencer par effectuer, c'est tout simplement d'aller connecter ce logiciel avec les API des autres applications que l'on vient de citer. Donc, on clique sur connexion et on va choisir d'ouvrir le constructeur de scénario. Sachant que ce n'est pas négligeable, mais ce logiciel dispose d'une version gratuite tout à fait actionnable. Bien sûr, lorsque votre besoin évoluera, vous serez amené à payer une des versions pro. D'ailleurs, j'ai un lien d'affiliation pour ceux qui souhaiteraient disposer d'un peu plus de crédit de façon temporaire. N'hésitez pas à utiliser celui-ci. Mais je voulais vous dire qu'il est possible d'utiliser et d'avoir des premiers bénéfices tirés de cette application sans même voir votre carte bleue débitée. Donc c'est assez rare pour être précisé et je vous le dis. On va ensemble construire notre première automatisation en se rendant sur connexion. Connexion, on va ouvrir notre constructeur de scénario. Donc allons chercher notre première application qui s'avère être Notion.
Je clique sur Notion et je vais demander de se déclencher quand un élément de ma base de données est créé ou est mis à jour. Donc c'est ce premier élément. On va choisir un compte. Et là, vous le voyez, aucun compte n'est encore connecté. On va donc faire la démarche ensemble. Choisissez Ajouter, allez choisir votre propre Notion. Et on va donc trouver notre token. Si vous avez à effectuer la démarche, en vous rendant de niveau dans Notion, en vous remettant sur votre espace de travail, en allant sélectionner connexion. Donc dans votre cas de figure, c'est probable que Make n'apparaisse pas. C'est totalement logique puisque par défaut, c'est le cas. Il faut juste cliquer sur développer ou gérer des applications et aller créer votre passerelle entre Make depuis une nouvelle intégration et Notion. Dans mon cas de figure, je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà. C'est très simple et il n'y a aucun piège. Pensez à maximiser les autorisations, à nommer correctement cette intégration et il ne vous reste plus qu'à copier la clé du token. Donc moi, j'ai copié ce jeton-là et je vais l'intégrer ici. Pour retrouver l'ID de ma base de données, ça m'oblige à me rendre de nouveau sur mon Notion, cette fois-ci au sein de ma page où je peux trouver cette base de données. Et un des moyens d'identifier cette ID, c'est de cliquer sur partager, de cliquer sur copier le lien et je vais vous demander de bien vouloir aller prendre la portion d'URL qui se trouve ici. Jusqu'à 88, avant le point d'interrogation qui nous permet d'ajouter une nouvelle variable dans l'URL. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette portion. Vous allez la copier et l'intégrer dans votre base de données. Limite, vous pouvez la rendre un peu plus importante. Je vais mettre 20, mais 2 aurait été très correct aussi dans mon cas de figure. Alors, je vais lui dire de simplement commencer à partir de maintenant. Ok, donc ça c'est très bien, je récupère les données à ce niveau là. Voyons voir ce que l'on va en faire ensemble. On va aller ajouter un module toujours sur Notion et cette fois-ci ça va être d'obtenir nouveau item dans la base de données. Donc ici c'est correct. Pour me retrouver plus facilement, je vais choisir de mapper ces variables. Et donc cet ID, je le trouve ici. Hop. Ok. Quand j'ai bien pu récupérer la ligne qui m'intéressait, je vais m'occuper à transférer ces informations sur mon Google Doc. On va ajouter un module et cette fois-ci, on va aller chercher... Google Doc, parfait. Donc là, cette fois-ci, ce qu'on veut, c'est créer un document à partir d'un template. Parfaitement. C'est donc ça. Choisir un compte. Là aussi, on va devoir en ajouter un. Show Advanced Settings. On va peut-être essayer de le récupérer directement à partir du SSO de Google. Et vous voyez, là encore, c'est très simple. Alors là, vous constatez, il n'apparaît pas le document que l'on a créé au préalable. Je vais me rendre à nouveau dessus et c'est simplement parce que je ne l'ai pas enregistré au format Google Docs. J'étais encore au format, si vous voulez, Word et c'est vrai que c'est un document que j'ai importé. Donc là, on a bien réalisé l'action. On voit que ce que l'on voulait indiquer n'a pas trop bougé. Ok, c'est parfait. Le footer est toujours là. Rafraîchis une fois et je vais retourner sur Make en espérant que cette fois-ci en rafraîchissant j'ai un peu plus de propositions. Modèle, document et convention. Et là, vous le voyez, je vois enfin apparaître devis, action de formation. C'est ce pourquoi on a commencé à réaliser ce tutoriel. Donc là, pour que ce soit plus parlant de votre côté, si vous voulez, je vais m'inventer une nouvelle demande de devis que l'on va rédiger ensemble. Donc on va dire que c'est madame exemple femme entreprise
la meilleure. Sirette 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rue du Paradis. Donc, afin de rendre cet exemple plus parlant, tu cliques sur Map. Tu cliques sur Rafraîchir. Et donc, à terme, lorsque tout cela sera enseigné, ça viendra être déposé au sein d'un nouveau dossier qu'on va appeler peut-être Atrier et qui aura pour titre, admettons, donc on va jouer ce scénario. Et donc là, en jouant l'exemple, je constate que j'ai une erreur qui apparaît. Vous voyez, on a une console qui nous permet de découvrir où l'erreur s'est produite. Et là, c'est vrai que finalement, je ne vais pas créer un élément dans la base de données, mais j'ai plutôt envie de l'obtenir. Et donc là, on va revenir en arrière. On n'a pas besoin de créer l'élément de la base de données, on a simplement besoin de l'obtenir. Donc on va créer un nouveau module et ce qu'on cherche ici c'est un get database item. Ok, c'est plutôt ça dont j'ai besoin. On va configurer le module. Alors sur cette tentative, je vais plutôt indiquer que je souhaite matcher l'item de la base de données à partir d'une liste et donc c'est celle qui est sur CRM la strat. Ok, et l'item c'est nickel, donc là j'ai pris l'exemple de ce prospect que j'ai imaginé, je mets OK et on va aller modifier ce qui se passe dans Google Doc. On va, pour resimuler le système, mettre à jour cet exemple. On va essayer de jouer ça et donc là ça bloque évidemment Google Doc. Voyons voir ça de plus près. Le titre, OK. ID. Et vous le voyez maintenant, on me suggère des valeurs que j'ai ajoutées et donc là on va les faire matcher ensemble. Donc l'ID du devis, on devra aller le chercher ici, donc c'est une chaîne de caractères, très bien. La date de la signature, c'est à mon avis une variable qui commençait par pour. Donc c'est cette variable ici qui correspond à la date de la signature. Le nom de la compagnie, elle est indiquée ici. Le SIRET, il est lui indiqué ici. L'adresse, c'est le nom du stagiaire. On va juste mettre stagiaire et on va le trouver ici. Formateur. Là aussi, c'était précisé. Autour de la date d'être ajoutée, la date, c'était de mémoire en 2023. Et là, on tombe en face d'un os, puisque vous le constatez, on a bien la date qui nous est suggérée. Simplement, aïe, c'est pas forcément le format sur lequel on attendait cela. Hein, puisqu'on est en face d'un format un peu américain, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt lui demander de sortir au format date, mois et année. Ok. Le nom de la formation, c'était référencement naturel. La durée, je l'ai ici. Vous constatez que je préfère à chaque fois opter pour la variable au format plein texte plutôt que sur celle contente. Vous aurez moins de problèmes de format à la sortie. Au niveau du montant hors taxe, il me semble que cette variable s'appelait hors taxe. Et donc c'est celle-ci, 1 500 €. TVA, elle s'appelait TVA 300. Et c'est des nombres à chaque fois. Et TTC, elle s'appelait TTC. Qui est donc 1 800. Ok.
Donc là, je vais indiquer que toutes ces images, je les veux sorties avec un document qui commence par devis plus nom de l'entreprise. Que ce document-là, je l'indique et je le trouve ensuite dans le dossier à trier qui se trouve dans le dossier opportunités et clients en cours. OK. Donc ensuite, je vais ajouter un nouveau module. On sera encore sur Google Docs et cette fois-ci, je vais lui demander de bien vouloir télécharger un document. On le récupère selon l'ID préalablement indiqué et je le veux en format PDF. OK. Donc du format PDF, j'aimerais qu'il se retrouve dans mon Google Drive. OK. Et donc que je upload a file. OK. On va ajouter mon compte Google Drive. Je vais choisir à nouveau le SSO de Google. J'ai mon adresse email qui est déjà retrouvée et indiquée ici. J'autorise Make à me connecter à mon Google Drive. Et je vais choisir le dossier. Dossier qui sera donc. Donc, j'ai choisi de simuler l'update d'une ligne depuis mon Notion. On peut constater que ces trois premières étapes sont bien déroulées et que normalement je devrais me retrouver avec un PDF dans mon Google Drive et on va aller le vérifier ensemble. Donc là, on voit que c'est pas parfait puisque j'ai pas le symbole euro là non plus. OK. Mais sinon, c'est pas mal du tout. Ah, c'est ça qui va pas bien au niveau du 30 mai. Donc là, il faut que je corrige. La date de fin aussi n'est pas indiquée. Et ce n'est pas la bonne entreprise qui est remontée. Donc quelques corrections à effectuer. Donc là, j'ai mis AAA. J'aurais dû mettre hier. Là, je vais rajouter le symbole euro. Pour rappel, le symbole euro apparaît en cliquant sur Alt et en cliquant avec la main droite sur 0128. Là, vous voyez également sur mon template, j'ai fait une erreur. J'avais oublié un crochet. C'est bien des doubles crochets qu'il faut pour permettre de générer une variable. Et donc là, ça devrait être bon. Ça, c'était pas très beau aussi. C'était pas sur la même hauteur. On va arranger ça. Donc, on va présent retester. On a effectué quelques modifications qui semblaient nécessaires. On va voir à présent à quoi ce document peut ressembler. Et pour ce faire, on va de nouveau se rendre sur notre drive. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est pas mal du tout. Une dernière modification effectuée, c'est cette variable qu'on a rajoutée. On va aller également la faire matcher. Je retourne sur Make. Elle est ici. Et je vais dans, il me semble que c'est fin, ajouter vraiment la même stratégie qu'ici, le même formatage de date, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas prendre cette variable. J'ai plus pour prendre la date de sortie. Dans cette formation, on est ici et on est ici. OK, c'est pas mal du tout. On va jouer une dernière fois et on peut même aller plus loin parce que de là, on pourrait ajouter. Gmail crée un brouillon qu'on irait apposer ici. Petite parenthèse au passage, si vous souhaitez effectuer cela depuis un compte Google Gmail personnel ou qui n'est affilié à aucun abonnement Google Workspace, alors il vous faudra effectuer quelques configurations afin de lever les barrières de sécurité. Je vous mets le tuto de Make en description de cette vidéo et une fois vos tokens créés, il ne vous restera plus à suivre cette démarche. Si vous souhaitez que l'on programme ce type d'automatisation ou que l'on forme sur ces sujets, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous préférez mettre la main dans le cambouis dès maintenant, checkez la barre de description, il y a les liens vers ces outils qui sont indiqués. Il se peut que j'ai mis un lien affilié, ce qui voudra dire qu'en passant par ce lien-là,
nous gagnerons tous les deux un petit bonus sur l'utilisation de cet outil. N'hésitez pas à poser la moindre question dans les commentaires, il n'y a aucune question qui est bête, on essaiera de répondre rapidement à tout le monde. Et n'hésitez surtout pas à engager avec cette vidéo si elle vous a appris quelque chose, un petit like, un petit partage, ça me fera sourire et je vous souhaite en attendant une très belle journée et à bientôt, ciao ciao.